Bonjour à tous, bienvenue pour l'invité du CA. Aujourd'hui, nous parlons des midterms américains avec David Teuscher. David Teuscher, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, vous avez publié vos premiers travaux pour la revue DiploWeb et vous Oui. avez signé votre premier ouvrage Vers les États désunis aux éditions Perspectives Libres en 2019. Vous vous spécialisez sur la géopolitique de l'Amérique du Nord et vous étudiez particulièrement donc la politique américaine depuis 2016. Oui, c'est Alors, ça. on va vous laisser un petit peu seul faire un point sur les midterms et puis après on affinera avec des questions et la dernière demi-heure sera consacrée aux questions des téléspectateurs. Donc je vous laisse la parole. Très bien. Bon, bah alors, bonsoir à tous les auditeurs. Bah, écoutez, je vais annoncer mon plan, hein. Bon, voilà, je suis un prof, hein, désolé, je suis de la vieille école, mais je dis comment je vais travailler. Bon, je vais faire vraiment un très rapide récap sur la structure, on va dire, électorale américaine. On va commenter brièvement les résultats donc des gouverneurs, des sénateurs, mais aussi donc des représentants, en fait, hein, des députés. On verra vers quoi ça va nous, on verra l'analyse et vers quoi ça va nous amener, vers une critique de la société états-unienne, voir les conséquences pour l'Europe, bon, l'Ukraine. J'aborderai aussi le sécessionnisme. Alors, bon, moi, je suis là pour l'analyse, hein, et franchement, je ne veux pas déplaire à qui que ce soit, mais je ne suis ni pro-Biden, ni pro-Trump. Comme une prof me l'expliquait, moi, quand j'étais jeune étudiant en géopolitique, on a un camp qui dit blanc, l'autre dit noir, et nous, en fait, on est aux zones grises, en fait, pour démêler le vrai du faux. Et là, du coup, moi, je suis parfaitement objectif là-dedans. Alors, les résultats des midterms, je pense que ceux qui sont là, de toute façon, les ont déjà vus. Donc, on va voir comment les interpréter, surtout les conséquences. Alors, d'abord, on a les élections à la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, une fois pour toutes, c'est l'équivalent du Parlement de chaque pays. C'est l'équivalent de notre Assemblée nationale en France. Les circonscriptions électorales, qu'on appelle en anglais les congressional districts, elles sont déterminées par les élus des États. Alors, le nombre de sièges, il est attribué par l'État fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui décide du nombre de députés qu'il y aura dans le pays. Déjà là, vous voyez, en termes de démocratie, on est déjà, enfin, ça sent déjà pas toujours très bon, hein. Bon. Donc, le nombre de sièges, encore une fois, le nombre de sièges de députés, il est modifiable par l'État fédéral, mais aussi selon l'évolution de la population. À l'heure actuelle, en 2022, il y a 435 circonscriptions, autrement dit, 435 représentants ou députés. La répartition démographique, elle est équitable, on va dire, il y a, allez, un député pour, grosso modo, 710 000 habitants. Mais il y a des petites exceptions. Je crois pour l'État du Montana, ça doit être un député pour 1 million de personnes. Et il doit y avoir un représentant. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le Nord-Est, ça doit être l'État du Rhode Island pour environ 500 000 habitants. On voyait qu'en termes de démocratie représentative, voire même de représentation de la population, c'est quand même, ils sont quand même très, très peu les députés, hein. Alors, maintenant, les élections au Sénat. Les élections au Sénat, c'est 100 sièges. Et là, peu importe le nombre de la population, c'est deux par État. Que vous soyez en Californie, qui compte 40 millions d'habitants, grosso modo, ou bien que vous êtes un petit État qui compte 100 000 ou 200 000 habitants, vous aurez deux sénateurs, quoi qu'il arrive. Et il y a même une pratique qui a été mise en place par un député, certains doivent, à mon avis, connaître cette histoire-là, c'est le découpage des circonscriptions selon le vote démocrate ou républicain. Cette pratique s'appelle le gerrymandering, du nom d'un sénateur ou d'un député. Et en fait, ben, pour être sûr, tout simplement, de gagner une élection, ben, on va dire, tiens, cette circonscription-là, on va la découper, on regarde, hein, on fait une analyse géographique de chaque district. Et tout simplement, on va se dire, bon, ben, là, on vote républicain, on le découpe. Et des fois, chaque année, à chaque élection, on le redécoupe. Bon, vous voyez bien que déjà là, en termes de démocratie, encore une fois, là je fais une critique, hein, mais ça ne tient pas. Mais ça continue, cette pratique-là. Alors, les élections du Congrès, le Congrès aux États-Unis, ça j'en entends souvent dire, qui disent, oui, les congressmen, ce sont
la Chambre des représentants des députés. Non, non, non. Le Congrès, c'est bien le Sénat plus la Chambre des représentants. Vous avez le Sénat fédéral et la Chambre des représentants au niveau fédéral, mais chaque État a un Sénat et un Parlement, ce qui fait que vous avez 51 parlements et 51 Sénats aux États-Unis. D'accord? Donc des fois, nous, en tant que Français, on critique souvent la Belgique pour qu'ils ont 10 ou 15 parlements, mais au final, bon, y a pire, hein, OK? Alors, ces élections de mi-mandat, donc les midterms election, hein, comme on dit, elles ont lieu toujours 2 ans après l'élection présidentielle. Bon. Ça concerne la totalité des députés, la totalité des représentants. C'est entièrement, entièrement le Parlement qui est réélu et un tiers des sénateurs. À chaque fois, c'est un nouveau tiers à chaque fois, OK? Bon. Mais en fait, réellement, on vous dit ça, mais tous les 2 ans, en fait, concrètement, c'est un vote de confiance à la politique du président. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Alors, cette élection-là, 2022, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, ben, on a vu le camp républicain qui essayait en fait de prendre un peu sa revanche, et puis bon, ben, Donald Trump qui a essayé de revenir sur le devant de la scène. En fait, ça rappelle un peu un match de boxe, hein, un peu, ça serait entre Ivan Drago et puis Rocky Balboa. Les midterms 2022, on aurait pu l'appeler ça Trump-Biden, la revanche, en fait. Hein. Alors, mon approche à moi, elle est géographique. Et moi, pourquoi je me consacre là-dessus? Parce que je trouve que dans les analyses qu'on voit, si vous prenez des journaux mainstream comme Le Monde, ou bien que ce soit le Figaro, des chaînes télé, bon, peu importe, c'est souvent pour expliquer l'élection, pour dire, essayer de trouver une analyse sociale, politique et tout. Non, pas du tout. Moi, je prends une note vraiment géographique. Alors, est-ce que là, je pense que pouvez afficher en image la deuxième image, là, ça vient du New York Times, et c'est la carte qui montre l'élection donc des représentants. Hein, c'est New York Times. Voilà, OK. Donc là, j'ai pris la capture écran sur le site du New York Times, qui est assez complet, qui est bien construit. Je l'ai prise à 19h. Alors, on voit que les Républicains, ils ont 218 sièges contre 211 pour les démocrates. Vous avez la majorité, c'est bien sur le site, vous voyez, vous avez le petit graphique tout en haut. C'est marqué que pour avoir la majorité absolue, il vous faut 218, ce qui fait que les Républicains, ils ont la majorité absolue tout pile. Bon, alors, maintenant, on nous annonçait une vague républicaine. Bon, il s'avère que cette vague rouge-là n'a pas vraiment eu lieu. Elle n'a même pas du tout eu lieu. Ils ont gagné que 8 sièges. Alors certes, ça leur donne la majorité absolue au Parlement, mais pour autant, il n'y a pas eu le raz-de-marée, il n'y a pas eu le raz-de-marée qui a été voulu. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si on regarde d'abord la répartition géographique on va dire de l'élection des députés, qu'est-ce qu'on voit? Ben, moi, ce que je note, c'est que cette élection-là cristallise les attentes de deux Amériques. Si vous regardez bien, vous voyez en bleu, sur tout le pourtour, toute la périphérie, donc que ce soit la côte ouest et surtout la côte est et surtout nord-est, vous voyez que là, c'est majoritairement démocrate. Pourquoi? Ben, moi, c'est ce que j'appelle les îles démocrates. Mais ce que j'appelle moi, mais c'est une expression du New York Times. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi là on vote démocrate? Ben, parce que la plupart des grandes villes américaines se situent sur les côtes américaines, sur la périphérie, d'accord? Sur le pourtour, si vous préférez. Et en fait, qu'est-ce que ça montre? Ben, que c'est une Amérique qui est progressiste. Dans ces grandes villes-là, ce sont des grandes villes cosmopolites. C'est là où cohabitent les Noirs, les Hispaniques. Les Asiatiques, bon, les Afro-Américains, tout ça. Et c'est cette Amérique-là, mais c'est vraiment une Amérique à part, qui est située sur le pourtour périphérique du pays, qui est tournée vers l'extérieur, vers l'ouverture au monde, et qui veut surtout renouer avec le monde après les années Trump. Parce que Trump était vu comme, voilà, quelqu'un qui voulait absolument refaire l'isolationnisme, retour aux années 30, de cet États-Unis qui veut s'occuper que d'elle-même. Bref, cette Amérique-là, elle veut vraiment couper avec Trump.
c'est l'Amérique des grandes villes, c'est l'Amérique cosmopolite et qui est ouverte sur le monde. À l'inverse, si vous regardez bien, à l'intérieur des États-Unis, ce qu'on appelle le « mainland », entre guillemets, c'est l'intérieur du pays, l'arrière-pays si vous préférez, et bien là, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est une Amérique conservatrice, essentiellement rurale, et qu'on retrouve surtout au centre, mais aussi dans le fameux vieux sud, surtout au sud-est. Et d'ailleurs, si vous faites un petit zoom sur le sud-est, donc qui part de l'Arkansas, Tennessee, les deux Carolines, Géorgie, Alabama, Mississippi, vous voyez quelques petits îlots démocrates, à quoi ça correspond, encore une fois, à des grandes villes, comme Atlanta. Et ça, c'est des grandes villes cosmopolites où on vote encore une fois démocrate. Donc là, vous avez bien, vous avez deux Amériques. Vous avez deux Amériques, une progressiste et une qui est une progressiste, donc démocrate. C'est la gauche, c'est les démocrates, on est ouvert, c'est l'idéologie vraiment d'ouverture sur le monde, LGBT, l'égalité des races. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, si vous, je fais un point là-dessus, un petit focus, égalité des races, c'est pas moi qui le dis. Si vous prenez les statistiques du US Census Bureau, la population américaine est recensée par race. Vous, allez-y, vous tapez sur le net, vous irez voir les statistiques démographiques américaines, c'est par race. Donc bon, pour un pays progressiste, là c'est bizarre, c'est que les démocrates là-dessus, on les entend pas. Bon bref. Alors certes, les républicains, ils ont gagné. Ils ont gagné, il y a une victoire républicaine, mais il va falloir la relativiser. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant afficher peut-être la troisième carte là sur le Sénat? Bon, alors là, c'est pareil, on voit une victoire républicaine à relativiser. Bon, là, on a 49 sénateurs républicains pour 48 sénateurs démocrates. Et qu'est-ce que vous retrouvez encore une fois? Regarde encore la répartition géographique des votes. En rouge, on a les républicains au centre du pays et la côte ouest et la côte est, c'est encore une fois démocrate. On retrouve la même répartition géographique. Autrement dit, quand vous entendez certains analystes sur des plateaux télé qui vont vous dire « Oui, mais les gens, ils votent différemment selon si c'est leur représentant et le sénateur. » Ah ben, là, je veux dire, on a la preuve par A plus B. Là, c'est clair, propre, net, c'est factuel. Là, on a bien. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre un vote pour les parlements et pour le Sénat. Maintenant, on pourrait peut-être passer à la prochaine carte sur les gouverneurs. On a, alors, ils ne sont pas tous renouvelés, hein, d'accord, puisque les gouverneurs sont en majorité élus pour un mandat de 4 ans, sauf dans certains États. Mais bon, ça, c'est du détail. On a là, pour 2022, 25 gouverneurs républicains pour 24 gouverneurs démocrates. Intéressant, il y a deux sénateurs, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Il y a deux sénateurs qui ne sont ni républicains ni démocrates. Alors, ils ne font pas partie d'autres partis démocrates, ce sont simplement des indépendants. Bon. En réalité, ils vont devoir se raccrocher à l'un ou l'autre parti. Sinon, on va vite les débouter, on va trouver quelque chose pour les remplacer. Donc, c'est pas une première, mais ça mérite d'être souligné quand même qu'on a deux sénateurs qui ne font partie d'aucun camp, mais je veux dire officieusement, réellement, ils vont devoir se rapprocher des deux. Bon, voilà. Donc là, au final, si on regarde, je récapitule. 25 gouverneurs républicains, 24 gouverneurs démocrates. On a 49 sénateurs républicains pour 48 sénateurs démocrates. On a 218 députés républicains et 211 démocrates. Je suis désolé de vous le dire, mais franchement, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment relativiser la victoire républicaine. Ils sont quasi au coude à coude. Au Sénat, ils sont au coude à coude. À la Chambre, on a une majorité républicaine, d'accord? Donc, de 8 sièges, et les démocrates, eux, ont perdu 8 sièges. Bon, alors maintenant, on a vu cette répartition-là en termes de chiffres et en termes de géographie. J'accélère un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de considérations et d'analyses à dire. Alors, on a vu que Trump a énoncé sa candidature
pour 2024 avant-hier. Biden a annoncé que lui aussi veut se représenter. Donc, on va avoir un match retour, d'accord, de 2020 en 2024. Alors, aujourd'hui, c'est un demi-succès pour les Républicains. Il est très nuancé. Donc, ce n'est pas dit qu'en 2024, avoir la situation, l'actualité géopolitique actuelle avec la Russie, avec la Chine, avec l'Ukraine, rien ne dit avoir là. Et comme je dis, c'est un vote de confiance, pour ainsi dire. Hein. Autrement dit, si vous en avez marre du président, vous votez pour le camp adverse. Bon, là, si les Républicains se représentent en 2024, on ne peut pas dire que ce soit gagné d'avance, ok? Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'actualité internationale d'ici là. On ne peut pas savoir si Biden va changer d'avis, si voire même il sera encore en état, on va dire ça comme ça, permettez-moi une petite blague. Et puis encore, il faut que Trump il gagne l'élection interne du parti, enfin l'investiture si vous préférez. Et déjà là, chez les Républicains, on a vu une fracture. Il y a une faction qui dit déjà que c'est à cause de Trump qu'il faut trouver une autre tête d'affiche. Donc rien ne dit que parce que Trump annonce sa candidature en 2024, qu'il l'aura forcément. Il faut qu'il soit élu, d'accord, déjà à l'investiture du parti chez les Républicains. Et ça, là-dessus, il y a une bonne partie des Républicains qui comptaient bien faire leur retour là-dessus, là, aujourd'hui, en 2022, mais qui n'ont pas réussi et qui, forcément, il faut un bouc émissaire et ils prennent Trump. Bon. Alors, tout le monde disait... Oh oui, mais les démocrates, ils vont perdre, avoir les mauvais résultats économiques du pays. Le président Biden, qui ne sait plus ce qu'il dit dans ses discours publics. La gestion du Covid, les scandales avec son fils Hunter Biden. Mais alors, comment expliquer qu'il n'y a pas eu de vague rouge républicaine? Non, mais c'est vrai, après tout, faut me suivre. Il aurait pu y avoir une vague rouge républicaine. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Pourquoi c'est encore... on va dire, le camp démocrate et le président Biden qui ont, on va dire, conservé leur position à quelques sièges près. Ben, Biden, en fait, c'est un candidat fédérateur pour contrer, on va dire, un président sortant qui était vu comme qui divisait, d'accord? Alors, le président Biden, il a été vu comme, voilà, il a de l'expérience. Lui, le président Trump, il est très fort pour gérer son petit empire, d'entreprise, mais lui, il n'a pas d'expérience politique. Et voyez, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Et puis, bon, Biden, c'était le vice-président d'Obama. Il faisait partie de l'équipe d'Obama. Et quand Obama est arrivé, voilà, c'était, vous souvenez le Hope, vous souvenez les affiches en rouge, en bleu, tout ça. Il incarnait un espoir d'évolution de la société. Et après Trump, eh ben, les gens qui étaient déçus de Trump pour des raisons X et Y, ils ont voulu renouer avec ça. Ils ont dit, bon, ben, peut-être qu'Obama, c'était peut-être pas plus mal. On pourrait donner aussi sa chance à Trump. Mais c'était surtout une question d'image. Alors maintenant, j'ai lu, voilà, oui, il y a eu des trucages. Alors c'est vrai qu'il y a eu des irrégularités. De ce que j'ai lu dans la presse, en faisant ma revue de presse, il y a aussi eu des militants républicains qui forçaient les gens et qui vérifiaient dans des ballots, hein, d'accord, de voter même dans des voitures disant « tu vas voter ça, tu vas… » Alors, s'il y a eu des irrégularités, il y en a eu des deux côtés, d'accord. Ce qu'il faudrait, alors je ne suis pas là pour dire « il y a eu des trucages où il n'y en a pas ». Ce n'est pas le but, la question n'est pas là. Vous allez comprendre, je vais y venir. Ce qu'il faudrait, en fait, pour vérifier ça, ça serait des observateurs internationaux, comme là, ce qui a eu lieu limite en Ukraine, mais ça ne se fera pas. Il n'y aura pas d'observateurs internationaux dans les élections américaines. Pourquoi? Tout simplement parce que les USA renverront une fin de non-recevoir, diront « on est chez nous, il n'y a rien à voir ». Et puis encore une fois, ne vous cachez pas, c'est le pays dominant, mon Dieu. C'est eux qui dictent, limite, la politique internationale. Donc, ils diront « on ne veut pas d'observateurs internationaux ». Alors, on peut promouvoir la démocratie, le libéralisme chez eux. Par contre, chez eux, pour en avoir parlé avec pas mal d'universitaires, pour avoir participé à beaucoup de colloques, même les américanistes, les spécialistes de l'Amérique du Nord, même eux me disaient, mais non, mais de toute façon, bien sûr, les Américains sont très protectionnistes et ils ne veulent pas qu'on se mêle de leurs affaires internes. Bon, je vous disais des trucages et que la question, elle n'était pas là. C'est pas la vraie question, en fait. Il faut voir, il faut prendre en compte tout à fait autre chose. En fait, c'est un faux sujet. Le trucage, qui a eu lieu des trucages ou non, c'est pas la vraie question. C'est un faux sujet qui cache la forêt. Laissez-moi vous expliquer. Les USA
c'est le premier consommateur de ressources au monde. Des fois, ils sont un peu au coude à coude avec la Chine, mais je vais vous dire pourquoi c'est eux le premier consommateur de ressources au monde, en quantité et en qualité aussi, d'accord? Que ce soit démocrate ou républicain, les États-Unis, ils vivent au-delà de leurs moyens en termes de ressources, d'accord? On le dit, si on vivrait comme les Américains, on l'a tous vu dans la presse et compagnie, si tout le monde vivait comme les Américains, il nous faudrait cinq planètes. Si, au niveau national, si les Américains ou les États-Unis, peu importe, s'ils décidaient de vivre, là, il faudrait deux ou trois États-Unis s'ils décidaient vraiment, si on reste juste dans ce cadre-là. Ils ont, certes, ils ont des ressources. Ah, ils ont des ressources sur leur territoire national. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont du charbon, ils ont du fer, ils ont du cuivre. Mais pour subvenir à leurs énormes besoins, ils ont un vaste marché intérieur de 300 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'importer, ils ont besoin d'autres énergies. En fait, ils ont une consommation excédentaire à leurs ressources nationales, et pas seulement pour leur population, mais aussi pour leurs industries qui sont très mondialisées. Prenez par exemple une carte des implantations de McDo dans le monde, ou que ce soit d'Amazon ou de n'importe quelle GAFAM, de n'importe quelle grande entreprise américaine, dites les FTN, les firmes transnationales. Parmi les 500 premières, je vous dis ça de tête, hein, le chiffre à revérifier, mais ça s'approche. Parmi les 500 premières firmes transnationales dans le monde, 44% sont américaines. Donc, ils ont un énorme besoin de ressources, certes, pour leur population, mais aussi pour alimenter leur industrie dans le monde. D'accord? Ils ont des industries qui sont très mondialisées. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ils ont besoin de s'assurer un accès à leurs ressources. D'accord? Et là, on peut peut-être projeter la carte. Ça doit être la cinquième carte marquée Pierre Royer, Thalassocrator. Voilà. Alors, sur cette carte-là, c'est une carte de 2012 que vous trouvez sur diploweb.com. Alors, diploweb.com, franchement, c'est un site qui est pas assez mis en avant. Allez voir, c'est des ressources. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous êtes étudiant, chercheur ou simplement intéressé par la géopolitique, vous trouvez des cartes géopolitiques de n'importe quel espace dans le monde, c'est très facile et très facilement compréhensible. Ici là, Pierre Royer, si vous regardez cette carte-là, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Ben, si vous regardez bien, vous avez par région et par État, les fournisseurs de pétrole dans le monde. On voit déjà que la Russie, ils fournissaient en 2012 6%. Maintenant, ça doit être un peu plus. Bon, ça change un petit peu avec la crise en Ukraine, mais peu importe. On voit que le Canada fournit, pour ainsi dire, un tiers des besoins en pétrole américain. Ensuite, l'Amérique latine, c'est 27%, c'est un quart. On a l'Afrique à 20%, le Moyen-Orient à 17%. Et regardez bien Pierre Royer, lui, il met le lien, il fait le lien entre l'approvisionnement en pétrole des États-Unis et le déploiement américain, les bases américaines, mais aussi les flottes dans le monde. Eh bien ici, là, qu'est-ce qu'il veut dire Pierre Royer? Tout simplement que les Américains, leurs bases dans le monde, allez, je vous dis le chiffre parce que c'était plusieurs universitaires qui me l'avait confirmé, je ne sais plus si c'est 700 ou 800 bases militaires officiellement qu'ils ont dans le monde. Officieusement, vous pouvez en rajouter une bonne centaine. Vous savez, un peu comme cette base américaine là au Groenland, au nord du Groenland, les Américains s'étaient fait poisser en 2014 ou 2015. Suite à la fonte des glaces, on s'est aperçu que la base américaine, en fait, était alimentée par un petit réacteur nucléaire, et à cause de la fonte des glaces, bon, il s'était fait poisser, il y a eu les images satellites et compagnie, c'est tout à fait officiel. Bon, bref, ajoutez-en une bonne centaine de bases supplémentaires officieuses, voilà, dans le monde pour les Ricains. Donc là, vous voyez que les Américains, pourquoi ils déploient autant leur base militaire, leur flotte dans le monde, c'est pas seulement pour être le numéro un mondial, mais c'est pour s'assurer un accès aux ressources. Et là, la carte, je veux dire, ça parle de soi. C'est pour être proche des pays fournisseurs, pour être sûr, tu as bien intérêt à faire ce que je dis, sinon je peux créer des troubles chez toi. Assurer la sécurité énergétique, l'approvisionnement énergétique par les sept détroits stratégiques, les sept passages stratégiques dans le monde, à savoir Panama, Suez, Gibraltar, Bab el-Mandeb. Vous avez aussi, ben, Hormuz et puis Malacca. Bon.
Donc, en fait, ils ont besoin de s'assurer un accès dans le monde. Donc, que ce soit Trump ou Biden, d'accord, qu'on soit pro-Trump ou pro-Biden, mais peu importe, le président actuel ou le prochain président, la situation, elle est là. C'est factuel. Ils doivent avoir un accès aux ressources. Et c'est pour ça que l'interventionnisme américain dans le monde n'est pas prêt de changer. Prenez les chiffres, hein, là, tout simplement, prenez cette carte-là. Voilà, le vrai enjeu des élections américaines, que ce soit les midterms, que ce soit les sénatoriales, peu importe, ou les présidentielles, le vrai enjeu des élections américaines, que ce soit républicain ou démocrate, et si c'est moi, un enseignant à mon humble niveau, qui vous le dit, l'administration américaine, ils le savent, il est au courant, Donald Trump, il est au courant. Okay? Et puis le président américain dit, contrairement à ce qu'on croit, mais vous vous en doutez, ce n'est pas lui le vrai décideur. Hein. Ce n'est pas lui le vrai décideur. Il y a plusieurs cercles de pouvoir aux États-Unis. Il y a, ça doit être, c'est combien déjà? Les États-Unis doivent avoir de tête, ça doit être 27 ou 28 agences de renseignement. Et vous aviez déjà des universitaires américains qui, déjà dans les années 60, bien avant le 11 septembre 2001, avaient eux-mêmes déterminé, analysé qu'il y avait plusieurs cercles de pouvoir aux États-Unis qui avaient des intérêts à la fois convergents, à la fois divergents. Alors je peux vous donner les références, hein, tout simplement. Moi, c'était ce que j'avais lu quand j'étais en études de géopolitique. Vous pouvez prendre la référence. Il y a un très bon article. Alors c'est en anglais, hein. C'est un article de David Singer qui date de 61 et qui s'appelle The Level of Analysis Problem in International Relations, et ça a été paru dans la revue World Politics. Et vous en avez un autre, ça doit être de Robert Putnam, c'est surtout celui-là qu'il faut lire, et qui s'appelle Diplomacy and Domestic Politics. Et ça, c'est un article qui date de 1998. Et lui, justement, c'est Robert Putnam, il avait dit, bon, un grand État comme les États-Unis, ou ça peut être comme avant l'URSS, c'est pas possible qu'il y ait un seul décideur. Il s'était interrogé, voir un peu comment les décisions politiques se répercutaient, est-ce qu'elles étaient bien appliquées, est-ce qu'elles étaient bien respectées, est-ce que telle loi était votée, elle était bien appliquée dans telle région et compagnie. Et lui, il avait bien déterminé, il avait dit, bah, tiens, comme exemple, bah, je vais m'intéresser à mon pays, tiens, je vais m'intéresser à la politique américaine. Et justement, en s'intéressant à la politique américaine, il avait dit, il y a bien plusieurs cercles de pouvoir aux États-Unis. Donc, le président américain, ce n'est pas la dernière marche, ce n'est pas le sommet de la pyramide. Okay? Alors, certes, si vous regardez ce que je viens de vous exposer là, si vous prenez les médias de droite, les médias conservateurs, les médias dissidents, appelez ça comme vous voulez, hein, on vous dit, les républicains ont gagné l'élection, mais bon, je viens de vous démontrer que c'est une victoire, mais une petite victoire. Et de toute façon, même si c'est Trump, encore une fois, même s'il y avait une vague rouge américaine, pour autant, ils ne pourront pas, en termes de consommation de ressources pour leur population, pour leur industrie, mais aussi pour s'assurer un accès aux ressources, parce que c'est ce qu'ils font de toute façon, ils prennent des ressources ailleurs dans le monde, ils les raffinent et ils les revendent beaucoup plus cher. C'est ça qu'ils veulent. Et si on, je veux dire, si vous prenez, vous trouvez là-dessus pas mal d'infographies, hein, sur le net, dans certains manuels, vous avez des infographies, voilà, que les États-Unis, ils auraient besoin de deux ou trois pays comme eux, voilà, ils avaient besoin pour subvenir à leurs besoins. Le Japon, ça doit être cinq Japons qu'il leur faudrait. Si on se mettait à la place des Japonais, voilà, il faudrait cinq pays comme le Japon pour pouvoir juste au niveau national à leurs besoins. Alors, maintenant, vous allez dire, bah, mais bon, démocrate, républicain, n'oubliez pas, hein, républicain, bon, depuis que c'est Trump qui voulait avoir un petit retour à l'isolationnisme, avant, les républicains, c'était Bush père et fils, hein. Mais alors, est-ce que ça va toujours être le même match? Quelle est la part là-dedans? Est-ce qu'on aborde un petit peu les autres partis politiques états-uniens, c'est-à-dire les partis minoritaires? Quelle est leur place? Quel peut être leur rôle? Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer? Alors d'abord, le plus important des partis minoritaires,
ça va être le parti libertarien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? En fait, son cheval de bataille, le parti libertarien, c'est la liberté individuelle. Grosso modo, c'est chacun pour soi, en somme. Bon, vous avez aussi un parti vert, un parti écolo, qui est, on va dire, de plus en plus écouté au niveau des citoyens, au niveau de la base, mais pour autant, ne réussit pas à peser politiquement. Vous avez un parti socialiste et un parti communiste aux USA. Je crois que le parti communiste aux USA, au maximum, il a dû monter dernièrement, hein, je ne vous parle pas des années 50 ou 60, ça doit être 9000 adhérents, mais peut-être que je me trompe. Bon, ils ne pèsent pour rien. Ces petits partis-là, ben pourquoi ils ne sont pas visibles en fait? Ben, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et là, encore une fois, je vais vous donner des chiffres. Alors, ça dépend des élections, ça dépend des années et ça dépend des États. Ça fait beaucoup de « ça dépend », je sais, mais grosso modo, il faut retenir que l'élection d'un représentant, d'un député, la campagne, elle coûte environ, allez, peut-être entre 1 et 10 millions de dollars. Et les campagnes, elles ont lieu tous les 2 ans. D'accord? Elles ont lieu tous les 2 ans, voire tous les 4 ans. Ça dépend des mandats et compagnie. Et c'est surtout une classe riche qui est représentée. C'est surtout des gens qui peuvent justifier d'un certain niveau de revenu pour accéder à être représenté. Donc, ce qu'on appelle la ploutocratie. La ploutocratie, c'est le pouvoir des riches. D'accord? Encore une anecdote. L'élection, ça doit être d'un gouverneur ou d'un sénateur. Oh, ça doit coûter, je crois, de ce que j'avais lu, hein, en confrontant les sources, ça doit être entre 20 et 50 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et puis aussi, vous avez un autre contre-pouvoir. Aux États-Unis, ce sont les milices. Ce sont les milices et les groupes anti-gouvernementaux qui, ceux-là, s'organisent en mouvement. En fait, c'est souvent des anciens vétérans des gens. Enfin, ça peut être aussi des milices. Sachez-le, vous avez des milices LGBT qui se forment dans différents États. Des milices, les néo-Black Panthers. Ça peut être aussi le Ku Klux Klan, ça peut être des néo-nazis, tout ça. Et c'est en fait, tout cela sont des déçus de la politique américaine, voire même certains ont essayé de faire bouger les choses, hein, de certains partis minoritaires. Mais les partis minoritaires n'accéderont pas au pouvoir aux États-Unis parce que, un, ils n'en ont pas les moyens financiers, et de deux, ils ne sont pas représentés médiatiquement. Et ça, là, oui. Combien de l'électorat? Combien en pourcentage de l'électorat? Pardon, les partis minoritaires? Les partis indépendants, enfin les partis qui... Enfin, pas les partis, pardon, la masse de cet électorat indépendant qui ne vote ni démocrate ni républicain constitue combien de pourcentage de l'électorat? Alors là, je vais vous dire ça plus simplement, les partis minoritaires, ben, sachant qu'ils n'ont pas accès à l'élection, vu qu'ils n'ont pas accès à l'élection... à cause de médias et des moyens, ben ces partis-là, ils ne représentent rien, ils ne représentent même pas 1%. Ils sont présents, il y en a, je pense, qui sont vraiment sincères, mais ils ne représentent même pas 1%, peut-être 2%, c'est tout. Par contre, les milices, elles pèsent beaucoup plus. Vous avez un, et j'en avais déjà parlé dans la présentation de mon bouquin, vous avez un très très bon organe, c'est basé, je crois, au Texas, qui s'appelle le Southern Poverty Law Center. Et en fait, c'est un institut plutôt à tendance progressiste qui répertorie les milices et les mouvements anti-gouvernementaux et qui a répertorié environ 1000 mouvements anti-gouvernementaux et milices aux USA. Dites. Ça doit être en 2014, il y avait eu un sondage qui était paru, il y en a eu des plus récents, mais il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, que j'analyse un peu plus. En 2014, vous aviez eu un sondage du New York Times, non, du Los Angeles Times, et qui posait tout simplement la question, est-ce que, aux citoyens, hein, est-ce que vous seriez d'accord pour que votre État fasse sécession? Et il y avait un quart de la population qui avait dit oui. Un quart de la population, ça faisait quasi 25% des Américains. 25% des Américains, ils sont 330 millions environ. Et ça fait quand même plusieurs dizaines de millions de personnes, nom de Dieu. Pourquoi, pour l'instant, il n'y a pas encore de sécession aux États-Unis? Tout simplement parce que les gens croient encore
Ils ont encore cet espoir, ils croient encore en la politique américaine, le patriotisme. Le patriotisme est un ciment américain incroyable. Il y a aussi beaucoup de déménagements. Vous pouvez très bien habiter l'Iowa et déménager dans l'Ohio. Vous pouvez très bien être un Floridien et puis ensuite vous êtes muté dans l'État de Washington ou au Montana. Bon, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça montre au-delà de tout ça, bon, démocrates et républicains, on voit bien ces bonnets blancs, blancs bonnets, hein, à chaque fois ils se renvoient un peu la balle. Ben, au-delà de ce clivage-là, vous voyez bien que ce choix-là binaire, il montre une société états-unienne bloquée. La preuve en est, c'est, vous venez de me poser la question, c'est que les partis minoritaires ne réussissent pas à y accéder. Ils sont présents, mais ils ne réussissent pas à y accéder. Donc on voit bien que la société américaine, elle est bloquée volontairement, volontairement. Par les deux partis, ça c'est sûr. Et dans la politique de l'un ou de l'autre, démocrate et républicain, ça change que peu de choses à l'international et dans leur politique étrangère. Et même si Trump, il a essayé de résoudre, il s'est heurté, il a essayé de débloquer certains dossiers, mais c'est ce que je vous ai expliqué, il a empêché en fait, il a été empêché de résoudre certains dossiers, empêché de résoudre certains dossiers par d'autres pouvoirs internes. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit. Le deep state ou l'État dans l'État, bon voilà, hein, ça c'est une réalité. Hein. Bon voilà, dites. Maintenant, on peut se poser la question pour l'Europe. Hein. On peut se poser la question pour l'Europe. Qu'est-ce que ça va changer pour l'Europe, cette élection-là? Rien. Ça ne va rien changer du tout. En 2016, moi je me souviens, j'avais assisté à une conférence d'un professeur d'histoire de l'université d'Artois. Je crois que ça s'appelait, ça devait être Jean-Pierre Avignon, c'était. Et c'était une conférence qui s'appelait « La Russie et l'Europe » en 2016. Et lui, il nous disait bien que les USA, et c'était public, hein, c'était un universitaire français hein, qui le disait publiquement. Il le disait, les États-Unis, ils font tout pour faire échouer une Europe souveraine et libre. Ils ne veulent pas, ils ont déjà géré un concurrent comme la Russie, comme la Chine, ils ne veulent pas encore un autre concurrent à gérer. Voilà. Ni plus ni moins. Alors maintenant, est-ce que l'Europe, ça reste la division ou le territoire le plus important à maîtriser pour les deux grands? Sûrement, sûrement. Bon, voilà. Là, j'ai fait un petit peu le tour, on va dire, de cette élection-là. J'ai parlé, bon, là, quasi 40 minutes. Hein. Je pense qu'on a fait le tour un peu des enjeux. Bon, voilà, maintenant, s'il y a des questions, je pense qu'on peut les prendre. Hein. On va passer aux questions. Je voulais juste là, comme je vous ai pas interrompu pendant que vous parliez, il y avait juste des petites choses sur lesquelles je voulais revenir. Oui. C'est vrai que, alors moi, c'est assez, je parle en mon nom, mais le fait qu'on puisse voter aux États-Unis sans carte d'identité, moi, personnellement, ça me choque énormément parce que Bien sûr, il y a un manque de vérification. Il faudrait des observateurs internationaux. Il y a des irrégularités, mais à l'échelle de vote comme ça, vous votez en même temps pour des gouverneurs. Vous votez pour des sénateurs, vous votez pour des députés, pour ces dizaines de millions-là d'électeurs, c'est obligé, comment vous dire, qu'il y ait des irrégularités, ça peut être quelques machines qui tombent en panne. Bon, non, mais ça, d'accord, mais pas ça, non plus. À la marge. Mais un vote sans carte d'identité, ça veut dire qu'on peut revoter plusieurs fois, ça veut dire quoi C'est vrai qu'on a constaté, moi, quand j'ai fait ma revue de presse, on a constaté des gens qui étaient décédés, qui étaient élus. Oui, c'est étonnant. Mais la démocratie américaine n'est pas parfaite, elle n'est pas fonctionnelle. Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que... Parce que c'est inimaginable en France d'arriver à un bureau de vote sans carte d'identité. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez... qui paraît assez c'est problématique. Vous savez, quand vous entendez sur les plateaux de BFM, hein, les États-Unis sont la première démocratie du monde. On vous dit, oh là là, tout de suite, ça fait propagande. Alors bon, c'est vrai. Je suis désolé de le dire, mais grand, c'est vrai. Oui. C'est vrai, parce que bon, le président, les sénateurs et compagnie, et même, n'oubliez pas, les shérifs et les juges des communes sont élus. Mais pour autant, en termes d'exemple démocratique pour le monde... Et là, vous le soulignez très très bien. Non, bien sûr, ce n'est pas représentatif, c'est pas un exemple. Bon, voilà, la démocratie, c'est un très long chemin à parcourir, et il n'est pas parfait. Hein.
Une autre petite question avant de passer à une question plus large. Vous parliez des cercles de pouvoir aux États-Unis. Il y a plusieurs donc cercles de pouvoir. Est-ce que vous pourriez peut-être les en Alors, parler rapidement? comment s'est construit le fédéralisme américain? D'abord, il faut le savoir, pendant la guerre de Sécession et juste après la guerre de Sécession, ce n'était pas une fédération aux États-Unis. C'était une confédération. Et après, les États entre eux se sont mis d'accord. L'État fédéral, lui, décide de la monnaie, de la politique étrangère, ça va être de l'armée, essentiellement, et du budget. Ça va être les quatre grands domaines sur lesquels il va intervenir. Les États fédérés, eux, ils ont dit, d'accord, très bien, on vous rejoint. Par contre, on garde quelques pouvoirs, une mainmise. Les États fédérés décident encore, en termes de transport, la construction des infrastructures de transport, la santé, l'éducation, le budget. Alors, en soi, les gouverneurs sont des chefs d'État. Mais ils ne sont pas représentatifs à l'échelle internationale parce qu'ils ne décident pas de la politique étrangère. D'accord? Mais pour autant, ils ont leur mot à dire. Les cercles de pouvoir, ben ça, comme j'ai dit, il va y avoir les agences de renseignement. Les agences de renseignement sont un vrai pouvoir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce sont les institutions les plus pérennes, là où les changements de personnel sont. Les moins, c'est là où il y a le moins de changement de personnel, en fait. D'accord? Une politique à plus long terme, hein, ça permet C'est une de... politique à plus long terme. Et du coup, voilà pourquoi ce sont eux qui, en coulisses, s'entendent le plus souvent avec leurs homologues des autres pays, en fait. Il faut absolument que les électeurs lisent cet article-là de Robert Putnam qui, lui, l'explique très bien en anglais. Hein, je dis, ça date de 1998 et qui lui explique bien. Ces différents cercles de pouvoir-là. Si vous prenez la série House of Cards, vous voyez que Kevin Spacey, bon, c'est le président ou c'est encore le Whig à l'époque, peu importe, dans les épisodes, il dit, voilà, écoute, tu me donnes ton vote, en échange, j'aurai les crédits pour ouvrir un hôpital ou pour être sûr voilà, qu'une base militaire, elle ouvre et ça te fera des emplois et tout. Bill Clinton a regardé la série, il a dit, en interview, il a dit, 90% de la politique, comment elle est décrite dans House of Cards, ça se passe comme ça dans la réalité. Bon, voilà, hein. Je vais peut-être donner la parole à David pour poser une autre question, puis après on parlera des fractures au sein des Républicains. Ça, je pense que c'est un sujet important. Alors avant ça, je vous remercie pour ce beau développement et j'aimerais remercier au passage aussi Monsieur Stéphane Chamignon pour un mois d'abonnement. C'est son deuxième mois d'abonnement et c'est des petits dons qui nous font beaucoup, beaucoup de bien. Isa Trou, qui lui-même s'est aussi abonné. Et Cassé Marcus, qui est un habitué maintenant, et qui est déjà à son neuvième don pour Fluffy Style. Il y a une conspiration, les gens prennent les pseudos les plus imprononçables. Alors, vous avez répondu sur la question de la fraude, donc je prends une question de Chando. Bon, la question est intéressante. J'ai une question. Tous les grands candidats aux élections présidentielles ont plus de 70 ans. Est-ce une situation normale? Ben, disons que si vous prenez, vous suivez les discours de Biden, vous voyez que des fois il a des blancs, il a des manques. Non, c'est la gérontocratie. C'est la gérontocratie. Attendez, lui, il doit avoir quel âge? Ça doit être 78 ou 78, je 70, crois. 78, 79 ans, peu importe. Bon, on voit bien que non, bien sûr que non. Ce n'est pas lui qui décide. Il faut pas se voiler la face. Ce n'est pas lui qui décide. Il y a une administration. Derrière, ce n'est pas le seul décideur, d'accord? Vous avez secrétaire d'État, vous avez sous-secrétaire d'État, mais surtout vous avez les agences de renseignement, hein. Et puis dites, vous avez par exemple, si vous prenez Walmart, sauf si je dis une bêtise à vérifier, excusez-moi, Walmart c'est peut-être à vérifier, hein. Ça doit être la première fortune des USA, mais je ne sais plus. Dites Walmart. Je crois que leur chiffre d'affaires, ça doit être de 500 milliards de dollars par an. C'est, pour ainsi dire, c'est la richesse de la Belgique. On a maintenant des États qui sont aussi riches, des entreprises qui sont Multinationales, aussi riches, aussi puissantes que des pays. La majorité
la majorité, la moitié, on va dire, allez, la moitié des firmes transnationales mondiales sont états-uniennes. Donc, ça veut dire que les entreprises états-uniennes, que les États-Unis sont aussi puissants que plusieurs États. Voilà pourquoi c'est le pays dominant. Voilà pourquoi d'autres pays savent très bien qu'une confrontation frontale ne gagnera pas à moins d'arriver à une alliance. Et ils le savent, ça, pertinemment. Donc maintenant, au niveau de cet âge-là, de cette gérontocratie-là, bah, ça rappelle un petit peu Brejnev, tout ça, hein, la fin de l'URSS. Alors, il y a des nouveaux candidats, il y a des candidats jeunes, des fois, qui essaient d'arriver, qui arrivent un petit peu, mais pour y accéder, comme je l'ai dit, c'est pas tellement l'âge. Pour y accéder, c'est le financement de la campagne. Autrement dit, vous n'y accédez que si un financement vous est donné et ça va être des compromis. Vous aviez l'acteur là, Robert Redford. Robert Redford, lui, il avait essayé de changer des choses aux États-Unis. Il avait dit « Je veux m'impliquer dans la politique ». Il avait jeté l'éponge en interview. Il avait dit « C'est tellement de compromis. On m'avait dit « Voilà, ben, je veux faire ci, je veux faire ça ». On avait dit « D'accord, très bien. Ben, on va te prêter de l'argent, on va t'organiser une collecte de fonds. Par contre, ça serait bien que dans ton programme, parce qu'on croit en toi, hein, comme Schwarzenegger, hein, qui avait été élu 2 fois gouverneur de Californie, c'est une figure publique, il a toutes les chances d'être élu, donc on croit en toi. Par contre, on aimerait bien que dans ton programme, tu mettes ci, tu mettes ça. » Et ben, du coup, Robert Redford, il a dit à la fin, moi, mon projet, ce que je voulais faire, c'était vider de sa substance, il a vidé l'éponge. Donc, l'âge n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est l'accès, c'est le financement pour accéder à la politique américaine. Et là, ça, c'est la ploutocratie. Ce sont des personnes riches, ce sont des clans même. Ce sont des clans. Des clans, des vieilles familles américaines qui possédaient déjà, on va dire, les premiers puits de pétrole ou les premières chaînes de magasins aux États-Unis. Ça remonte au 19e siècle. Bon, oui. Peut-être qu'on va passer à la question de la fracture au sein des républicains, des fractures même politiques, puisque a priori il y a, enfin, même des débats sur la question du libéralisme, de la place de l'économie dans la politique, de la prépondérance de l'économie sur le politique ou l'inverse au sein des républicains. Il y a des républicains plus ou moins protectionnistes, parce que jusqu'à présent c'était toujours moins d'État, enfin. Les républicains tendance Reagan qu'on connaît bien, mais là ça, j'ai l'impression que ça commence un peu à changer. Est-ce que vous avez fracturer donc, hein, est-ce que vous avez cette même impression? En fait, il y a différentes factions. C'est normal que dans d'aussi grands partis comme les démocrates ou les républicains, il y ait différentes mouvances, différentes idéologies qui animent le parti républicain. Vous allez avoir certes un parti très libéral. Vous allez avoir un parti très interventionniste et vous allez avoir un parti isolationniste, mais cette faction isolationniste au niveau républicain, moi, personnellement, hein, dans mon interprétation, dans mon analyse, elle n'est pas majoritaire. Elle n'est pas majoritaire et selon la ligne qu'ils ont tenue au midterms, ils vont devoir revoir leur ligne. Et c'est pour ça que le président Biden est autant critiqué. Ils ont dit, bon, on a perdu l'élection présidentielle. Les midterms, c'est vraiment à nuancer, à relativiser. Il faut qu'on change notre ligne. Moi, je ne pense pas qu'ils vont rester sur la même ligne pour la campagne présidentielle en 2024. Après, il faudra voir. Là, de toute façon, je vais vous dire, hein, la campagne pour l'élection présidentielle, elle va commencer maintenant. Hein. On dit toujours c'est un an avant. Non, elle va commencer maintenant. Faut faire une veille si nos lecteurs s'y intéressent. Moi, je dis, alors maintenant, c'est vrai que c'est délicat parce que le New York Times demande à s'abonner. Bon, moi, je trouve ça complètement honteux, hein, pour accéder à de l'information. Mais le New York Times, franchement, fournit de la très bonne information. Même si on n'est pas anglophone, c'est facilement compréhensible. On peut regarder ça et puis aussi le Los Angeles Times. Et si vous voulez un point de vue cette fois plus conservateur, ça doit être theconservative.com, quelque chose comme ça, theconservative.com, ça doit être ça, hein. C'est aussi un point de vue intéressant.
Maintenant, oui. Non, oui, je vous. Allez-y. Allez-y. Non, mais je voulais vous exprimer sur le fameux Ron DeSantis, justement la différence de position. Est-ce qu'il y a une différence quand même? Et j'ai l'impression qu'il y en a une entre le positionnement politique quand même entre Ron DeSantis qu'on annonce comme le grand concurrent et de Trump et celle que Trump a développée pendant 4 ans. Il est un peu tôt pour le dire. Je vais pas pour l'instant m'exprimer sur lui. C'est sûr que Trump ne fait pas l'unanimité au sein des Républicains. Il y en a qui vont chercher à le remplacer, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il n'y a pas que lui, il y a l'autre... voilà, c'est comment son autre nom? C'est un autre sénateur américain qui est bien positionné aussi. C'est un jeune, j'ai plus le nom en tête. Peut-être ça me reviendra après, mais pour l'instant, je vais pas me risquer à des conjectures sur le Parti républicain. Mais moi, ce qu'il faut surtout retenir, peu importe que ce soit, peut-être je me répète, peut-être que je suis embêtant, mais que ce soit un président démocrate ou républicain, ils sont obligés, ne serait-ce que par leur mode de vie, que par leur mode de vie, leur consommation intérieure de quasi 330 millions d'Américains, ou 350 millions, bon bref, on va dire plus de 300 millions, et la consommation de toutes leurs industries très mondialisées, très internationalisées, ils ont besoin d'un accès aux ressources. Donc ça veut dire qu'ils seront toujours autant présents dans le monde entier, politiquement, militairement, ils ont besoin de ces ressources-là. Donc pour l'instant, ça n'est pas prêt de changer démocratiquement et ou du point de vue Trump, l'a quand même moins fait pendant 4 ans, cette ingérence. Il a essayé de freiner certaines interventions. Il a dit bon allez, maintenant l'Afghanistan, on se retire. Sauf qu'à chaque fois, mais si par exemple vous avez comment ça se passe concrètement? On vous dit voilà, on se retire. Le soir, vous apprenez qu'il y a eu un attentat à Kaboul ou quelque chose comme ça, et qu'il y a un ressortissant américain, un traducteur qui bosse avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Réunion de crise. Vous allez avoir un chef d'état-major, vous allez avoir tel secrétaire d'état avec vous qui va vous dire bah, écoutez, il faut qu'on enquête, on est obligé de laisser du personnel sur place et d'assurer la sécurité. Résultat, des fois, résultat, il était obligé de laisser du personnel sur place et des fois, encore une fois, ce que je vous disais au niveau des différents cercles de pouvoir qui, un coup convergent, un coup divergent, un coup s'entrecroisent et compagnie, les décisions, des fois, ne sont pas appliquées. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est pas parce que vous êtes le président qu'il y en a qui vont pas vous écouter. Ils vont vous dire « Ah ben écoutez, vous voulez qu'on se retire ? Ah oui, mais attendez, ça va nous prendre du temps. Il faut qu'on se retire en bon ordre. Il va nous falloir 2 mois ou 3 mois. » Et du coup, ça traîne. Ça traîne en attendant d'autres échéances électorales. La personne dont vous cherchez le nom, c'est Josh Hawley. Non, c'est pas lui. Je l'ai plus en tête. J'aurais pu vous dire honnêtement. Puis là, bon... excusez-moi, mais c'est, aujourd'hui, j'ai donné 8 heures de cours aussi, donc je suis un peu fatigué, là. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que votre livre sera en description du YouTube pour la rediffusion ou simplement dans le chat pour le live. Une dernière question, c'est qu'on voit une conflictualité au sein du Parti républicain. Est-ce le cas au niveau du Parti démocrate qui, malgré le fait d'avoir un homme qu'on peut objectivement considérer comme sénile, ne semble pas démontrer de telles divisions? Merci. Non. Au niveau du Parti démocrate, moi, je n'observe pas. Encore une fois, il y a différentes mouvances au sein du Parti démocrate, ce qui est normal dans tout grand parti, comme le Parti communiste chinois, il y a différentes mouvances. Bon, bref. Non, au sein des démocrates, là, ils se disent, bon, on a perdu quelques sièges. Certes, on n'a pas la majorité absolue au Parlement, à la Chambre des représentants. Mais ils sont quand même, ils n'ont pas pris la déculottée que certains annonçaient. Ils ont maintenu leur pouvoir, ils ont maintenu leur position, on va dire ça comme ça.
Pour l'instant, ils n'ont pas de raison de se diviser parce qu'ils voient que les républicains se divisent déjà. Alors, ils peuvent très bien souffler sur les braises du Parti républicain, mais pour l'instant, ils n'ont pas de raison. Encore une fois, c'est mon interprétation, hein, mais rien n'est figé. Tout dépend, vous voyez l'actualité internationale qui est on ne peut plus brûlante, pardon, brillante, moi j'allais dire, brûlante. En ce moment, c'est très difficile de se lancer dans des analyses qui, à cause d'un événement, peut complètement changer la donne en 24 heures de temps. Très bien, nous passons donc aux questions du public. La première question, je la prends parce qu'elle est dans la continuité, pas parce que Kies Marcus est un grand donateur. D'ailleurs, il a fait deux autres dons. Merci à Monsieur Kies Marcus, qui est devenu une star au sein du cercle Aristote. J'ai mis son portrait chez moi. Une question pour Monsieur Tusher. Voyez-vous Ron DeSantis comme un candidat sérieux face à Donald Trump? Vous avez plus ou moins esquivé la question, mais pensez-vous qu'il soit un candidat Non, c'est esquiver. Non, c'est un peu juste que sérieux en 2024. Merci. tant que je n'ai pas les cartes en main, voilà, tout dépend de ce qu'il propose. Là, la campagne présidentielle, elle va commencer. Il va falloir voir ce que lui propose, mais c'est sûr qu'il a des chances face à Trump. Parce que là, Trump, maintenant, on se dit, c'est bon, deux fois, on a perdu, il y en a marre. Il va falloir, les Républicains, je pense, vont revenir sur une ligne qui va être beaucoup plus proactive, beaucoup plus comment dire, beaucoup plus proactive, beaucoup moins isolationniste que proposait Trump. Mais Trump, lui, n'avait pas de pour autant, s'il y a des pro-Trump qui nous regardent, l'ancien président Trump n'avait pas de mauvaises idées dites. Vous avez un rapport qui sort tous les 4 ans, et ça on le retrouve, j'avais mis dans mon bouquin, mais on le retrouve même sur le site d'Olivier Berruyer, lescrises.fr, allez voir. C'est l'état des infrastructures américaines. L'état des infrastructures américaines, c'est un rapport qui a lieu tous les 4 ans, qui sort par l'Association civile des ingénieurs. On se rend compte que si on fait la moyenne de l'état des infrastructures publiques américaines, les routes, les canaux, les infrastructures d'énergie, les ports, les aéroports, ils sont classés risqués ou mauvais. Pour que la plupart des infrastructures américaines reviennent à un niveau correct ou bon, il faudrait un investissement de 4 600 milliards de dollars sur 10 ans. Le président Trump, lui, il avait dit, il faut qu'on se redéveloppe à l'intérieur. On devient un colosse au pied d'argile, il faut qu'on se redéveloppe. Et il avait réussi, c'était une prouesse. Il avait mis d'accord même des personnalités démocrates à mettre sur la table 1 000 milliards de dollars pour rénover les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques, de traitement des déchets américaines. Ça n'a pas marché, au dernier moment, ce n'est pas passé. Mais même avec tous ses contacts, son réseau et compagnie, et enfin, je veux dire, ce projet-là, qui est pour le bien-être de la population, hein, même ça n'avait même pas marché. Donc, est-ce que maintenant, je pense que est-ce que Donald Trump, lui, dans sa ligne de 2024, va maintenir sa ligne de dire, on regarde juste la politique intérieure, l'état intérieur des États-Unis? Non, j'en suis pas convaincu, non. Faut voir ce qui va les départager. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, faudra voir un peu les propositions. Je ne peux pas vous dire mieux. Flavie, est-ce que tu veux rebondir sur le propos ou je passe à une question Non, d'un de nos auditeurs? tu peux passer. J'avance donc avec une question d'un autre auditeur, Monsieur Bruno Dupré. Vous parlez de la volonté des États-Unis d'empêcher une souveraineté européenne. Êtes-vous un européiste? On est souverainiste, on donne la Alors, parole c'est pas moi qui l'ai dit, aux hein, questions un petit peu ça, de vous alors, positionner. je répète ce que j'ai dit, Bien hein, sûr. je répète ce que j'ai dit. C'était un colloque qui s'appelait La Russie et l'Europe en 2016. C'était un universitaire de l'université d'Artois qui parlait des États-Unis et qui disait que les États-Unis voulaient empêcher l'Europe
d'être souveraine, d'être décideuse. Alors, ben, si vous prenez la vie de tous les jours, la vie au quotidien, ah ben c'est sûr que l'euro, moi je suis enseignant en France et en Belgique, c'est sûr que si je peux traverser que la frontière avec juste ma pièce d'identité, c'est pratique, personne ne peut le nier. Si vous voulez partir en vacances en Espagne ou en Italie, juste avec le comment, votre pièce d'identité, c'est pratique. L'euro au quotidien, c'est pratique. Après, au niveau de cet européisme-là, moi, je veux dire, ma position, je veux dire, oui, moi, enfin, l'Europe, c'est bien beau, mais regardez déjà, par exemple, la reconnaissance des diplômes entre pays. Vous avez, enfin, je veux dire, moi, j'ai des collègues, ils ont des masters en lettres espagnoles, ils viennent ici, on leur dit non, non, vous n'avez même pas les diplômes suffisants. Alors, vous voyez bien que l'Europe, elle ne fonctionne pas toujours. Si moi, je fais reconnaître mon master ici en Belgique ou en Allemagne, on me dira, ben non, ce n'est pas le même programme. Donc, vous voyez que l'Europe, c'est un projet qu'on a fait après la guerre. Publiquement, on a dit, voilà, c'est pour éviter une nouvelle guerre et compagnie. Mais moi, je ne suis qu'un analyste, hein. J'ai pas à être, moi je tiens ma ligne, moi je me définirais comme souverainiste, ça c'est sûr, j'aime mon pays, je suis patriote, sinon je serais pas sur le cercle Aristote, hein, tout simplement. C'est sûr que si l'Europe pouvait se construire de manière plus indépendante, à moins suivre la ligne politique américaine, ouais, mais pour l'instant on n'en est pas là, on n'est pas du tout. Pour l'instant, c'est les États des Unis aussi. Ah oui, bah absolument. On s'entend, les chefs d'État européens s'entendent sur ce qu'ils veulent. Hein. Mmh. Bon, on ne va pas trop parler de l'Europe parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est. Oui, parce que voilà, on a peu de temps. J'avais envie de vous demander peut-être un petit bilan des deux années de présidence de Joe Biden. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus. Ah ben, le bilan. Si on se met du point de vue d'un électeur états-unien, comme je vous ai dit, les midterms. C'est un vote de confiance. C'est un vote de confiance. Oui. Le bilan, il est bon. Le bilan, il est bon. Si vous mettez du point de vue d'un électeur américain, au niveau des chiffres économiques, que ce soit du chômage, des exportations, ça va. Hein. Donc, si vous se mettez de ce point de vue-là, ça va. Mais on sait que le président Biden, c'est pas lui qui est aux commandes, encore une fois. On vote pour une image. En fait, maintenant, alors moi, j'avais entendu parler d'une précarité qui était plutôt en ah bah hausse. Oui. Ah bah bien sûr que la précarité est en hausse. En effet, avec une augmentation des gangs. Ah bah, ça, c'est évidemment, écoutez, c'est la version qui est donnée. Vous avez, si vous reprenez Pierre Jovanovic, tout le monde suit sa revue de presse. Il l'a dit. Moi, j'en ai parlé un petit peu. Dans mon bouquin, hein, il me semble même que je le cite dedans, sur une population de 300 millions d'Américains, 50 à 60 millions qui vivent avec les food stamps, autrement dit les tickets de nourriture. Je veux dire, voilà, la messe est dite, quoi. Vous avez plus du quart de la population qui vit avec des tickets de nourriture. Vous avez un appauvrissement. Certes, vous avez une classe moyenne aux États-Unis qui disparaît de plus en plus. Oui, mais ça ne donne pas plus de réaction que ça, en fait, de cette quand même de non, parce que, des parce démocrates que... sur ces sujets-là. Enfin, vous savez, ça m'arrive des fois de regarder des reportages très intéressants. La soupe populaire, ça existe encore aux États-Unis. Et vous aviez le patron d'une association en Californie. De la soupe populaire qui allait voir, je vous sors un exemple concret, hein, qui disait voilà, il faut que vous alliez voter et compagnie, et vous aviez des gens qui étaient là, qui bénéficiaient de la soupe populaire, ils disaient mais non, mais regardez, on a beau voter pour démocrate ou républicain, ça change rien. Mais lui, il était oui, mais s'il vous plaît, il faut que vous alliez voter quand même, il faut croire en notre pays, c'est God Save America, c'est. Bon, voilà, les gens sont très patriotes. Ça, c'est le ciment fédérateur. Même s'ils n'y croient pas, ils vont y aller quand même. Il y a du matraquage médiatique.
Il y a du matraquage médiatique. Il y a, en termes de pluralité de l'information, en termes de pluralité de l'information, les médias républicains, c'est ceux qu'on embête le plus. On peut ne pas être d'accord avec les républicains, on peut ne pas être d'accord avec les démocrates, mais il n'y a pas une représentativité des lignes, des différentes lignes politiques équitables aux USA. Mais du point de vue de l'électeur américain, s'ils ont voté pour les démocrates, c'est qu'ils estiment que le bilan, je parle en moyenne, en général, le bilan est bon. Ben, la preuve en est, c'est que ils ont la proposition. Par contre, que la classe moyenne, la middle class américaine, disparaît. Maintenant, vous regardez des reportages à New York. À New York, les colocations explosent parce que les prix des loyers sont infernaux. Attendez, j'avais lu, ça doit dater de 2016 ou 2017, 1 million de personnes avaient quitté New York parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce que c'était trop cher. À l'inverse, la même année, 1,5 million de personnes étaient venues s'installer à New York. Vous avez un turnover. Vous avez, certes… Vous justement, avez... le vote de cette classe moyenne, il s'est reporté un peu sur Trump. Maintenant, il est un peu perdu, j'imagine. C'est un peu difficile de le… Là, faut regarder vraiment par état. Je ne vais pas vous dire… si je vous dis la classe moyenne, un cadre moyen dans le Vermont et un cadre moyen à Los Angeles, c'est pas comparable. Mmh. C'est un pays, et ça, j'insiste là-dessus, c'est un pays qui est beaucoup plus pluriel et beaucoup plus hétérogène qu'il n'y paraît. On ne peut pas comparer, par exemple, quelqu'un de la classe moyenne du Vermont et de Los Angeles. Il faut prendre d'autres facteurs en compte. David. Oui, merci. Je vais prendre quelques questions un peu lapidaires. On va essayer de répondre assez vite parce qu'il faut absolument répondre à nos auditeurs qui sont ceux qui nous aident et ceux pour lesquels on travaille. Donc, essayer de répondre assez rapidement. Et des fois, certaines questions ne méritent pas de réponse. Ça arrive aussi. Stéphane Chamignon, quelle considération avez-vous sur l'évolution de l'abstention aux États-Unis ? Sur l'abstention, honnêtement, elle est dérisoire. Elle est dérisoire. C'est pas du tout déterminant. C'est pas ça qu'il faut regarder. Pourquoi ? Parce que l'abstention n'a pas de pouvoir aux États-Unis. Encore une fois, ça va être les démocrates ou les républicains, mais l'abstention est dérisoire. Elle n'est pas déterminante. Très bien, c'est très gentil. Merci pour cette. Bon, allez-y, je vais vous couper parce que on va faire comme ça parce que toute question mérite développement, mais il y en a beaucoup, donc on préfère répondre à tout le monde pour satisfaire un peu tout le monde. Monsieur Kraken 00 ou 00 Kraken au choix. Que pensent les Américains du conflit en Ukraine ? Cela n'a pas l'air de les passionner. Non. Et d'ailleurs, je rajouterais peut-être une question personnelle. Peut-être, la question aussi, c'est dans quelle mesure est-ce que ça a eu du poids sur ces élections ? C'est sûr que ça pouvait être un sujet de campagne, mais encore une fois, tout dépend. Hein, ce n'est pas l'élection des gouverneurs qui vont parler. Sur l'Ukraine, je vais vous dire tout simplement… Vous avez peut-être vu ces vidéos passées où ce sont des journalistes qui viennent avec une pancarte, avec une carte du monde, disant « Est-ce que vous savez situer l'Ukraine ?» Donc, ils vont la situer en Afrique, ou voire même, certains la mettaient à la place du Mexique ou du Canada. Ouais, c'est l'Américain lambda moyen. Les médias en parlent, mais attention, si ça passionne les médias, ça ne veut pas dire que ça passionne les auditeurs. J'essaie de faire rapide, comme vous m'avez dit. Il y a une autre question, David. Vous m'avez surpris. Je pensais que ce serait un peu plus long. Victor Vast, comment c'est-vous du krach immobilier aux États-Unis ? Quelles conséquences politiques sur ces crises ? Parce qu'on voit effectivement que, contrairement à ce qu'on peut penser de façon un peu mainstream, l'inflation frappe durement les États-Unis malgré… Alors, encore une fois, il faut… bien prendre en compte, s'il y a un crash immobilier aux États-Unis, du marché de l'immobilier, à chaque fois, c'est toujours difficile quand on lit ces informations-là parce qu'il y a des journalistes qui sortent ça et qui ne font pas leur travail, qui ne connaissent pas bien le territoire ou l'espace dont ils parlent. Si vous prenez le marché de l'immobilier dans les grandes plaines, il est en faible croissance.
D'accord? Si vous prenez le marché de l'immobilier, des appartements à New York, je l'ai dit, les prix des loyers sont en train d'exploser. D'accord? Donc, si vous allez dans les grandes villes, il y aura toujours de la demande. Pourquoi? C'est là où il y a le plus d'attractivité, c'est là où il y a le plus c'est là où il y a le plus de travail, c'est là où il y a le plus de divertissement pour la population jeune. Si ça attire les jeunes, les grandes villes, à cause du divertissement, des possibilités de travail, d'évolution de carrière, parce qu'on est jeune, on veut découvrir le monde et tout, ben forcément, vous vous retrouvez ouvert sur le monde et c'est pour ça que la majorité des jeunes votent démocrate. Donc, et c'est pour ça que la majorité des grandes villes votent démocrate, pour refaire un lien. Maintenant, sur le marché de l'immobilier, s'il y a un effondrement, bah oui, les taux remontent. Les taux bancaires remontent. Mais c'est pareil avec les taux de prêts étudiants qui remontent aussi et qui là deviennent de plus en plus problématiques. Parce que je peux vous garantir, vous faites Berkeley. Moi, mon maître avait fait Berkeley. Harvard ou n'importe quelle université prestigieuse, vous sortez de la fac, ah, vous avez les entreprises américaines qui viennent vous démarcher, hein. D'accord? Ah, oui. Donc, mais vous êtes déjà pendu à 100 000 ou 200 000 dollars pour le reste de votre vie. Si vous n'avez pas les moyens, ben vous allez faire quoi? Une fac de deuxième zone ou de troisième zone? Par exemple, l'université du Kentucky ou l'université du Tennessee. Ben, si vous revenez en Europe, ça fera, ah oui, dis donc, t'as fait l'université du Kentucky. Oui, mais là-bas, au final, aux États-Unis, c'est rien. Hein, c'est comme si vous faites l'université du Montana. Hein, d'accord? Si vous prenez les territoires du Nord, si vous prenez Wisconsin, Minnesota, les deux Dakota, le Montana ou l'Idaho, là-bas, ce sont des vastes espaces naturels à perte de vue, c'est quasi de très grandes prairies. Là-bas, le marché d'immobilier, si vous parlez de l'Ukraine ou du marché immobilier, les gens là-bas, ils ne vont pas vraiment savoir de quoi vous parlez. Le marché de l'immobilier aux États-Unis va se concentrer essentiellement sur les grandes villes et les États leaders, à savoir le Nord-Est, les deux Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud, la Floride, le Texas, la Californie. C'est surtout là où il va falloir regarder, pas au niveau national, au niveau des États. Vous soulignez une grande disparité entre États et vous faites très bien. Ça nous ramène partiellement à la question de Monsieur Chamignon. Je vais paquer un certain nombre de questions, je ne vais pas dire le nom de tout le monde. On parle du surarmement et de la place du budget militaire. Donc déjà, peut-être expliquer un peu la situation d'un État qui est quand même très dépendant de son industrie militaire. Et deuxièmement, est-ce à mettre en parallèle avec les inégalités sociales? C'est une question peut-être très française sur un pays étranger. Merci. C'est vrai que, alors, les États-Unis, première puissance militaire mondiale, ça c'est sûr. 1,4 million de soldats d'actifs, il y a 23 millions de vétérans et 3 millions de civils. 3 millions de civils qui sont liés au secteur de la défense. Ça fait 26 millions de personnes. 15% de la population américaine sont liés au secteur de la défense. Vous savez, c'est les recruteurs. Vous avez beaucoup de bureaux comme ça aux États-Unis. Vous savez, ils ont des uniformes noirs avec les casquettes bien blanches, bien fringants. Ils se baladent même auprès des étudiants, même dans les lycées, pour recruter. C'est vrai, et on en remet dans le droit chemin. Vous savez que les prisons américaines, il y a une surpopulation carcérale là-bas, il y a des gangs, il y a des gangs dans les prisons aux États-Unis. Donc, on a réussi à en remettre sur le droit chemin au niveau individuel, hein, des anciens gangsters, quoi. Voilà, c'est ça, gangsters. En les remettant sur le droit chemin, en les mettant vraiment sur une voie militaire. La Californie est de loin l'État le plus dépendant de l'industrie militaire. Californie, 40 millions d'habitants. Ça doit être si je dis pas de bêtises, ça doit être 200-250 000 hommes de troupes, 200-250 000 hommes de troupes de stationnés. La Californie s'est sortie dans la presse, s'il devenait indépendant,
Il y a des indépendantistes de Californie. Hein. Il faut le savoir. Hein. Je l'ai mis dans mon bouquin. Il y a même une photo avec une banderole marquée La Californie, we want a separate nation. Ils sont minoritaires, mais voilà. Ils sont la Californie et au Nevada. Et au Nevada. Le Nevada a beaucoup de sites d'essais militaires, d'armes militaires, d'équipements, de matériel. La Californie, c'est le premier État là où il va y avoir, c'est le premier État lié le plus au secteur de l'armement. Je ne sais plus pour combien ça compte dans son budget, mais avoir le nombre d'hommes de troupes de stationnés là-bas, et puis c'est un territoire stratégique. C'est un territoire stratégique parce qu'on sait que les radars chinois, on sait que les radars chinois réussissent à détecter ce qui se passe jusqu'en Californie. Vous Et avez il y un avait problème même technique eu. avec Monsieur Tucher ou pas du Oui? tout? Non? Vous avez disparu de l'écran un instant. Non, Excusez-moi. ah, non, bah, pardon. Ah, excusez-moi, c'est ma Alors, faute. donc, je reprends. Je disais, la Californie, c'est entre 200 000 et 400 000 hommes de troupes de stationnés. C'est un territoire stratégique. Pourquoi? Parce que les deux tiers de la côte ouest, de la côte ouest, de la côte pacifique, c'est la Californie. Donc, ça vous donne un accès, c'est le pivot vers l'Asie. Voilà pourquoi les États-Unis ne lâcheront jamais, jamais la Californie, même en cas de sécession. La sécession, pour moi, ne commencera. S'il y a une sécession des États-Unis, je pense que ça arrivera. L'étincelle ne partira pas de la Californie, je ne pense pas. Les radars chinois sont capables de, donc je disais avant la coupure, hein, excusez-moi si je me répète, sont capables de détecter jusqu'en Californie. Et il y avait même eu un météorologue il y a quelques années qui avait révélé que les Américains, les militaires américains, dispersaient dans le ciel californien des paillettes, des poussières d'aluminium pour aveugler les radars et les satellites chinois. Et dès qu'il a dit ça, après, ça, ben, il était viré. L'armée américaine a dit là, il a révélé un secret, on le vire. Ça, vous pouvez peut-être le retrouver sur le net. Hein. En tout cas, en termes d'État lié au secteur de la défense américain, ah, ça, c'est sûr, la Californie. En termes maintenant de milices et de groupes anti-gouvernementaux, de groupes armés, le Texas. Le Texas. Vous allez aussi avoir, ils sont très discrets. Mais ça va être les États de l'extrême pointe du Nord-Est, ça va être le New Hampshire, le Vermont et quelques petits États à l'intérieur des États-Unis qui, eux, par contre, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas encore réussi à déterminer pourquoi. Ils sont très armés, il y a beaucoup de milices. Alors, bon, c'est très rural, il y a une mentalité qui est très conservatrice, donc il y a une tradition qui se perpétue. Mais vous allez trouver beaucoup de milices par là-bas. Mais le premier, c'est sûr que vous allez trouver le Texas. Mais encore une fois, et ça c'est récent, c'est très récent, je vous donne un scoop limite, hein, c'est les milices maintenant d'autodéfense LGBT qui s'arment pour vraiment défendre les droits voilà, des LGBT, les droits homosexuels. Ça ne s'était pas observé encore en 2015-2016. C'est vraiment un nouveau phénomène qui vient. De nouvelles milices armées qui viennent d'apparaître. Et ça veut dire qu'ils sont agressés ou parce que Ben, ça veut dire qu'ils se sentent agressés. Ça veut dire qu'ils se sentent agressés, voire même, ça peut être pour conquérir des droits. Hein. Ça mais peut c'est être une pour conquérir des sensation droits. d'agression ou il y a des agressions réelles? C'est ça, on en... Ah ben, des agressions homophobes, Il y en a. vous en avez aux États-Unis. Oui, Comme mais il y en. quel est le niveau Alors là, vous sortir un chiffre, je ne saurais pas vous dire. Par contre, pour qu'il y ait des milices Ouais. qui s'organisent, ce n'est pas juste un homme ou une femme homosexuelle qui a été agressé. Hein. C'est qu'il y en a. Hein. Mais après, bon, n'oubliez pas, les Non, pas Américains spécialement. sont Excusez-moi, mais. très idéologisés. Hein. David. Oui, absolument. Vous soulignez vos derniers points. Les Américains sont particulièrement idéologisés et on voit quand même qu'ils font beaucoup de choses. On voit lister certaines universités américaines. Et vous m'excuserez, je suis du tout public, donc je n'ai pas des chiffres, mais j'ai suivi un petit peu l'évolution des mœurs en Amérique du Nord.
on est très surpris de la façon dont les Américains appréhendent certaines questions. Bah, bon, si vous avez d'autres ils vont exagérer, par exemple, il n'y a pas forcément. Vous me dites en fait, bah, non, il doit y vraiment y avoir des agressions anti-LGBT aux États-Unis. Je ne saurais pas vous dire de chiffres, honnêtement. Là, mais quand je vous dis les Américains sont très idéologisés, il ne faut pas oublier qu'ils ont tendance même parfois à surexagérer certains faits, voire même à prendre les devants. Voilà pourquoi. Il y en a qui s'organisent en prévision de. D'accord? Par exemple, les Black Lives Matter, publiquement, ils ont réclamé un ethno-state, d'accord? De la côte Est. Bon, voilà, je veux dire, j'ai peu abordé le sécessionnisme ce soir. Mais vous avez une carte que je vous avais envoyée, vous pouvez peut-être la mettre dans le fond, là. C'est une carte qui s'appelle Démographie et sécession. Si vous pouvez l'afficher pour les auditeurs, vous voyez grosso modo par région la part de population sécessionniste aux États-Unis, c'est énorme, c'est énorme. Moi, j'avais comparé la démographie par État en comparaison du sondage qui est apparu par Reuters, qui avait été repris par le Los Angeles Times. Regardez là où il y a le plus de pourcentage sécessionniste, c'est dans le Sud-Ouest. Avec le Texas en tête. Ensuite, vous avez la Californie, vous avez le Vieux Sud. Bon, voilà, mais vous avez un sécessionnisme aux États-Unis, pas seulement en termes d'État, mais en termes social et en termes ethniques. Et ces milices-là aimeraient bien conquérir, avoir plus de pouvoir, en fait. Et je vous le dis, les milices, sachant que les partis minoritaires ne réussissent pas à se frayer un chemin dans la politique américaine, ce sont les milices qui deviennent le contre-pouvoir, le vrai rival des partis démocrates et républicains, pour moi. Oui. Attention, moi, je me suis interrogé. En fait, pour vous dire mon point de vue, c'est, je me suis dit, voilà, l'URSS a éclaté en 15 États, 15 ou 16, enfin bon, 15 États. Je me suis dit, tiens, est-ce que cette logique-là de sécession, On la voit partout, la sécession, toujours pareil, hein, en Afrique, au Moyen-Orient, l'Écosse, la Catalogne. Je me suis dit, et si on changeait? Et tiens, moi, c'est mon pari, on va voir si le sécessionnisme, ça marcherait ou pas aux États-Unis. Je ne dis pas, les États-Unis vont rester tels quels. Je ne dis pas, il va y avoir de la sécession. Ça a été un pari, ça a été mon mémoire, ça a été ma thèse. J'ai dit, on va voir, je vais étudier ça. Et il s'avère que je me suis retrouvé à des résultats chiffrable, tout à fait étonnant, de millions d'Américains qui disent « moi, je veux bien », mais bon, vous avez le ciment patriotique, vous avez beaucoup de déménagements internes aux États-Unis, beaucoup de migrations internes. Pour moi, ça ne change rien, c'est bloqué. La société états-unienne est bloquée. On reste entre démocrates et républicains, ça ne change rien. Il y en a qui commencent à s'en rendre compte là-bas. Le problème, c'est que les partis minoritaires n'accèdent pas au pouvoir et n'y accéderont pas. Le seul moyen, ça va être, comment je pourrais dire, une conquête, un référendum, une voie légale. Bon, je prends un exemple concret. Vous avez des pays, c'est dans mon bouquin, hein, je ne sais plus exactement quels États, vous avez de mémoire, hein, le Tennessee, le Kentucky, l'Alabama, le Texas, qui ont dit, nous maintenant, on constitue nos propres réserves d'or chez nous, sur notre État fédéré. Alors là, ça, c'est un signal. Ça, ce sont des signaux. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est des pleins phares dans la tempête. Si vous ajoutez les sondages qui sont régulièrement faits, les milices et les groupes anti-gouvernementaux qui s'arment de plus en plus, les déçus des politiques, ça rejoint la question sur les abstentions tout à l'heure, les stocks d'or qui se constituent, les sondages. Une société figée au niveau politique entre démocrates et républicains, pour moi, ça arrivera. Il y a des partis, je ne l'ai pas dit, mais il y a des partis indépendantistes aux États-Unis, nom de Dieu. Il y en a des partis indépendantistes, mais ils ne sont pas médiatisés. Pour moi, ça pourra partir d'une étincelle. Ça sera une étincelle. Il y a quelque chose qui mettra le feu aux poudres. Soit ça sera un effondrement économique,
J'en sais rien. Mais pour moi, ça arrivera. Non. Non, non, les GAFAM. Alors, les GAFAM sont aussi puissants que certains pays du monde, certes. Ils ont des chiffres d'affaires qui s'approchent de certains PIB. Hein, je vous ai dit, je crois que Walmart, ils sont aussi riches que la Belgique. En termes d'employés, bon, ils créent leur territoire. Ben, par exemple, Disney va créer son propre village en Californie, un mode de vie. Voilà, vous aurez donc une ville flambant neuve, je ne sais plus le nom. Vous allez avoir une ville flambant neuve sur le thème de Disney, où il y aura déjà des maisons, etc. Mais alors attention, pour y aller, il faut montrer patte blanche, hein, d'accord ? Ça sera, mettons, peut-être les prix, ça sera 400 000 à 800 000 dollars la maison là-bas. Mais vous avez déjà des ce qu'on appelle l'esprit corporate, ou un peu pour Disney, ça serait l'esprit Disney de dire, regardez, vous adorez tellement Disney, ben on va créer notre petit territoire, notre petite ville où vous aurez du Disney tous les jours. Et voilà, vous avez aux États-Unis un phénomène qui est étudié par un géographe français qui s'appelle Renaud Legoix, je crois, G-O-I-X, et qui étudie les gated communities. Vous savez, ce sont ces communautés, ces petites villes fermées, gardées par des milices, par des gardiens privés, où par exemple, dans certaines, vous n'avez pas le droit d'avoir d'enfants. Il y en a d'autres, c'est que pour les retraités. Il y en a d'autres, vous n'avez pas le droit d'avoir d'animaux. Clint Eastwood, il a été maire d'une ville comme ça, Clint Eastwood, sachez-le. Vous avez une société de plus en plus clivante aux États-Unis. Le rôle des GAFAM, pour l'instant, c'est pas encore, mais ils créent de plus en plus leur territoire. Mais ça serait pas surprenant, et c'est là que votre question allait bien, qui pourrait dire, écoutez, cet État-là, il est mal géré, on voit bien la présidentielle, les présidents américains gèrent très très mal, regardez l'état de nos infrastructures, souvent on voit New York plongé dans le noir 24 ou 48 heures, ou tel barrage qui cède parce qu'il n'a pas été entretenu depuis plus de 20 ans, eh bien, le contre-pouvoir, ça pourrait être justement ces grandes entreprises-là qui disent, eh bien, nous, on va prendre les choses en main maintenant. D'accord ? Donc, ils l'ont fait en Californie déjà. Enfin, les GAFAM ont pris les choses en main. Peut-être dans les transports, je ne pourrais pas dire, mais... Sur des petits territoires pour l'instant. Ouais. Par exemple, la Silicon Valley. C'est possible. Non, mais qui pourrait être un territoire géré par le privé complètement. Hein. Ça pourrait être un pilote. Mais vous savez que moi, j'ai déjà lu certains papiers qui disaient, après tout, si certains GAFAM sont aussi riches que certains États, ils ont 150 000 ou 200 000 employés, c'est l'équivalent de leurs citoyens, ils ont des implantations dans le monde entier, autrement dit, c'est comme des ambassades, pourquoi on ne les accepterait pas à l'ONU? Moi, j'ai déjà lu, c'est pas je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, moi je rapporte l'information et je l'analyse, point barre. Il y en a, ils ont dit, voilà, ça serait pas possible. Je tiendrai à dire sur ce point que M. Schwab était présent au G20. M. Schwab est le représentant des syndicats de 99% des plus grandes multinationales. Petite transition, dernière question avant un point de Flavie. MPRS 45, quand estimez-vous temporellement que des États comme le Texas, la Californie, vous avez précisé sur la Californie, ou New England, pourrait se désunir. Je rappelle que votre livre « Les États désunis d'Amérique » sera en option et est continuellement en description de ce tiers. Ouais. Alors, c'est une bonne question. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Je sais qu'on veut un chiffre. Généralement, c'est ce que les gens me demandent. On veut un chiffre, on veut savoir quand. Je vais vous dire, pour moi, ça arrivera. Pour moi, ça arrivera. Quand, je ne sais pas. Ça peut très bien se produire à court terme, à court terme, donc dans quelques années. Mais avant, il faudra un événement déclencheur. Je pense que ça peut commencer s'il y a un effondrement économique. Il faudra une étincelle. Ça ne partira pas sans étincelle. Il faudra un événement déclencheur. C'est le terme que j'utilise dans mon bouquin. Il faudra un événement déclencheur pour que ça arrive. À moyen terme, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Sauf tout événement brutal à l'international. C'est très difficile à dire, c'est de la prospective, c'est de la futurologie.
C'est très difficile. Déjà, si on réussit à déterminer quels États parviendraient à accéder au sécessionnisme, c'est déjà très bien. Après, c'est une veille. Je continue à regarder ça. Je continue à regarder ça. C'est un projet de deuxième bouquin aussi, de toute façon. Je le dis, d'abord, vous aurez des États leaders qui prendront, ça sera la première ligne, comme le Texas. Et vous aurez des petits États suiveurs, comme l'Arkansas, le Tennessee, la Géorgie, le Nevada, qui, eux, ne pèsent quasi rien et qui suivent et qui dépendent de l'économie de l'État voisin. Donc, s'il y a sécession, vous pouvez être quasi sûr, je dirais, il y a peut-être une chance sur deux, ou, allez, je dirais une chance sur deux, allez, on va dire ça comme ça, une chance sur deux que ces petits États qui dépendent économiquement de ces États leaders les suivent. Ils se disent, bon, bah, c'est tout, on va faire bloc commun. Et ça, c'est ce qu'on appelle les méga-régions. Et justement, n'oubliez pas, c'est le projet en Europe de faire des régions. On ne veut plus d'États en Europe, on veut faire des régions. Et justement, si vous suivez aux USA, on veut créer des méga-régions. On veut créer des méga-régions. Il y en a, ils ont dit, voilà, il y a la Regional Plan Association qui ont dit, voilà l'état des infrastructures publiques aux États-Unis. Et justement, comment ils veulent les organiser? Comme par hasard, autour d'un État leader comme la Californie, le Texas et la Floride, ce sont des exemples, hein, il y en a d'autres, et autour, on voit que ça gravite un peu comme un centre de gravité, et ensuite des ramifications qui iraient dans ces États-là. Ils le veulent, et il y a même, je vous donne une. Je crois que c'était qui déjà? Léopold Kohr. Vous savez, la théorie géopolitique. Et là, je vous donne, c'est dans mon bouquin, mais je m'en fous, je le sors, voilà, pour tout le monde. Vous avez la théorie géopolitique du small is beautiful. Jusqu'au 19e siècle, voire même au 20e, et même encore un peu aujourd'hui. Avant, l'idée, c'était qu'un grand État était un État réussi, accompli. Ah là là, vous êtes un empire, vous avez réussi. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que le small is beautiful, ça veut dire quoi? Plus vous êtes un État petit, plus c'est facile à gérer. Monaco, c'est un petit État qui est riche et développé. Bon, on peut reprocher tout un tas de choses. Moi, je vois juste du point de vue C'est moi qui du bug, développement et non? de la géographie. Singapour, c'est à la fois une ville, un État et une île. C'est peut-être même le seul État au monde Les cités. riche, riche et développé. Cité, État et une île. Bon. Léopold Kohr, c'était un universitaire autrichien. C'est lui qui a créé ça. On vous dit toujours, oui, c'est Ernest Friedrich Schumacher. À la fac, on vous dit, oui, c'est E.F. Schumacher qui a créé ça. C'est pas vrai. C'était son maître, Léopold Kohr, qui est autrichien, et lui, c'était son disciple, il a repris ça. Et justement, Léopold Kohr et même Schumacher, ils sont dit, attendez, pour dire, tiens, étudier un petit État qui est petit, voilà, ils auraient pu prendre Monaco, ils auraient pu prendre Singapour. Non, pour vérifier cette théorie-là du small is beautiful, ils ont pris quel pays? Ils ont pris les États-Unis. Ils ont pris les États-Unis. Donc ça veut dire, s'ils ont pris ça, c'est pas, tiens, je vais prendre tel pays. Ils ont pris les États-Unis, ça veut dire que leur hypothèse de départ, ils se disaient que les États-Unis sont trop grands. Ça ne peut pas continuer. Et à la fin, si vous lisez le bouquin de Léopold Kohr, ça s'appelle The Breakdown of Nations, il le dit dedans. Il dit, oui, les États-Unis pourront se séparer. Quand vous dites il, c'est qui exactement? Parce que ce serait un projet qui serait mené par qui au niveau Ah ben, fédéral? mené par qui? Ça sera des États suiveurs. Après, au niveau des personnalités, c'est difficile à dire. Peut-être, ça, par exemple, ça pourrait être des gouverneurs qui sont fédéralistes, qui croient au gouvernement fédéral, mais à cause des conditions sociales et économiques, se disent, on n'y arrive plus, on est obligé de faire sécession. Ça peut très bien être des gouverneurs, ne croyez pas, hein. Ça peut très bien être des gouverneurs très patriotes qui croient en la Star Spangled Banner, qui croient en le drapeau américain et qui, à cause des conditions, se disent, j'en ai pas envie, mais on est amené à faire sécession. Ça, c'est fortement possible aussi. À moyen terme, je pense que ça arrivera. Je l'étudie. C'est difficile à déterminer. Je ne peux pas donner de date. C'est impossible en l'état actuel des choses. Bon, David, on va passer à une dernière question. Oui? Ou est-ce qu'il David qui gère le Discord, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, moi j'ai une dernière question pour
David Teuchard, avant de terminer. C'est bon ? Oui. Oui, je crois que oui, il me fait signe, donc c'est bon. Donc je passe à la dernière question. David Teuchard, je voulais qu'on parle de la fameuse théorie du Heartland. Oui. Et donc, vous avez développé ce que vous appelez une contre-théorie. Alors, Heartland versus thalassocratie. Hein, et, alors, moi, ma question, le Heartland, normalement, c'est la Grande Russie, l'ex territoire-là, quand même. Alors. Et donc, qui contrôle le Heartland contrôle le monde pour les États-Unis, c'est bien ça. Donc, je vais vous laisser parler de ça et peut-être on peut un peu aussi dire un mot sur ce qui se passe en Ukraine, qui est quand même plus ou moins directement lié. Alors, j'ai pas développé une théorie, ça, hein, d'accord. C'est le sujet de mon prochain bouquin. Je pense en faire un doctorat là-dessus. Il y en a beaucoup qui parlent de la politique étrangère américaine beaucoup mieux que moi, d'accord ? Moi, j'ai pris l'inverse. Je me suis dit, je vais m'intéresser à la géopolitique interne des États-Unis parce que c'était pas très pris. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux. La théorie du Heartland, elle a été théorisée par Alfred Mackinder et vous avez l'amiral américain Alfred Mahan qui ont dit effectivement, c'est la Grande Russie, c'est le centre, grosso modo, c'est la Russie et c'est l'Asie centrale. Ils ont dit, ah ben c'est là où il y a le plus de ressources, on le connaît tous, on l'a déjà assez vu dans les médias, dans suffisamment d'articles, ils ont dit, c'est là où il y a le plus de ressources, et c'est ceux-là qui contrôlent le monde. Dites, vous avez vraiment l'impression que la Russie contrôle le monde ? Avez-vous vraiment l'impression que la Chine contrôle le monde ? Ou le Kazakhstan, tout ça contrôle le monde ? Bon, si on fait un inventaire des ressources disponibles, que ce soit en termes d'énergie, de ressources, or, argent, fer, cuivre, uranium, manganèse, bauxite, tout ce que vous voulez, il s'avère que l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et on y inclut le Mexique, ils ont énormément de ressources. Pas autant qu'au Auckland, mais ils ont énormément de ressources. Mais pour autant, ils la gèrent très mal. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mode de vie américain qui est extrêmement énergivore. Bon, voilà. Cette théorie-là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est accéder. On dit, oui, voilà, contrôle le Heartland, contrôle le monde. Mais c'est une fausse théorie. Et les Américains, leur politique étrangère, elle est axée là-dessus depuis 1904. Je crois que c'est 1904 que Mackinder a sorti sa théorie-là, ou 1903. Les auditeurs me corrigeront, mais ça doit être à peu près ça. La politique étrangère américaine, c'est uniquement ça, le Heartland et le Rimland. D'accord ? Le Rimland, c'est contrôler la périphérie de l'Asie. Moi, le sujet de mon prochain bouquin, c'est justement de casser ça. C'est de faire une critique de cette théorie-là, l'autre Heartland, critique et contre-théorie. Moi, c'est de dire qu'il y a un autre Heartland et cette fois de dire, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, de dire si je gère bien les ressources, il n'y aurait pas besoin de conflictualité comme ça parce qu'il y a énormément de ressources. Il y a énormément de ressources en Amérique du Nord. Dites, vous avez environ 200 pays dans le monde. Si on compte les quasi-États, les États non reconnus, on va dire environ 200. Vous avez 9 puissances mondiales de l'eau, c'est-à-dire vous avez 9 États dans le monde. Je prends l'exemple de l'eau comme ressource, hein, d'accord ? Vous avez 9 pays dans le monde qui, 9 pays qui contrôlent les 2/3 de l'eau douce sur Terre. Autrement dit, ça représente 5% des pays du monde contrôlent les 2/3 de l'eau sur Terre. Parmi ces pays-là, vous avez le Canada, les États-Unis et la Colombie. La Colombie est une des 9 puissances mondiales de l'eau. C'est un des 9 pays où il y a le plus d'eau douce disponible sur Terre. Donc voilà, cette théorie-là du Heartland est complètement ridicule. Ce sont des théories auxquelles les Américains s'axent. Et encore une fois, bon Dieu, est-ce que vous avez l'impression que Poutine contrôle le monde ? Que vous l'aimez bien ou que vous l'aimez pas ? Je suis désolé, Poutine ne contrôle pas le monde. La planète Terre ne s'appelle pas Russie. Je parle pas en bien ou en mal de Vladimir Poutine, là, c'est pas ça. C'est je dis, il ne contrôle pas le monde. Pareil pour le président chinois. Eux, les Américains, ils maintiennent ça.
Et il s'avère que cette théorie-là est absolument fausse. Bon, ils veulent accéder à l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Encore une fois, c'est une des portes d'accès au Rimland. Ça fait partie du Rimland, mais c'est une des portes d'accès au Hortland. Mais il ne s'agit peut-être pas seulement de contrôler, il s'agit d'éviter que cette partie-là devienne puissante. Aussi, ah bien sûr, ils veulent empêcher la Chine et la Russie, qui sont les deux fers de lance du Hortland, d'exploiter leurs ressources. Voilà, c'est bien sûr d'empêcher ça. Les Américains veulent rester le numéro un mondial. Ils veulent garder ça. Ils ne veulent pas de rivaux. Est-ce que c'est dans la suite de cette théorie que la théorie de Brzezinski sur le grand échiquier? Absolument. Voilà, l'Ukraine est absolument centrale, autant pour la Russie que pour les États-Unis. Alors, à chaque fois, on nous dit c'est Brzezinski et le grand échiquier en 96. À chaque fois, on nous cite lui. Mais c'est date d'avant, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, on le recite lui. Mais Brzezinski, il faut arrêter avec Brzezinski, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont fait des études de géopolitique vous le diront. Brzezinski n'est qu'un copieur. Regardez la théorie de Mackinder. Mann, M-A-H-A-N. Ça doit être Alfred Mann. Et c'est Alfred Mackinder, qui était un États-Unien, et l'autre était un amiral britannique, qui se sont suivis. Hein. L'autre, il a dit, bon voilà, il faut maîtriser la mer et compagnie. Mais c'est la même théorie. L'origine pour comprendre Brzezinski, le grand échiquier, c'est Mackinder. C'est Mackinder, ni plus ni moins, je ne peux pas dire mieux. À chaque fois, ça, quand je lis des articles de la presse conservatrice, Mackinder, pour ainsi dire, il n'est jamais cité et je ne comprends pas pourquoi. Vous avez des fois sur des plateaux télé, excusez-moi là, c'est un peu un coup de gueule, mais vous avez sur des plateaux télé, des fois ça arrive, il y en a qui vous disent oui, voilà, Brzezinski, machin, compagnie. Et je me dis, ben, ils connaissent pas Mackinder ou quoi? Parce que déjà, quand ils connaissent Brzezinski, c'est déjà pas mal. On va dire ça, on va leur octroyer ça, oui, voilà. Ouais, mais... Donc voilà, la théorie du Hortland. La théorie du Hortland est complètement surfaite, mais il y a des décideurs américains qui y croient, ils se disent non, c'est vrai, mais non. Moi ça va être l'objet de mon prochain travail, ça va être de casser ça, de dire il y a un autre Hortland, et cet autre Hortland là c'est l'Amérique du Nord. Il n'y a pas autant de ressources qu'en Asie, c'est sûr, mais il y en a. Ça, c'est clair et net. C'est juste que... Alors, pourquoi vous dites Hortland, c'est l'Amérique du Nord, c'est-à-dire... Parce que c'est... Il n'y a pas qu'un seul Hortland dans le monde. Il y a un autre Hortland. Si les Américains apprenaient à bien gérer leurs ressources, et je ne vous parle pas d'écologie, non. Moi, je vous parle d'exploitation des ressources, d'exploitation raisonnée, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Les Américains n'auraient pas besoin du Hortland. Ils n'en auraient pas besoin. La question que vous voulez poser au début, mais quand vous regardez la carte, c'est qu'en fait, ils pourraient être plus autosuffisants qu'ils ne le sont. Absolument. Ah oui, absolument. Mais c'est juste qu'ils ont un mode de vie qui maintenant, on ne peut pas le changer. Ils ont un mode de vie, un mode de consommation. Ils ont plus de 300 millions d'Américains. Ils ont la moitié des entreprises mondiales, la moitié des firmes transnationales, pour ainsi dire, est américaine. À quelques pourcents près, je crois que le dernier chiffre que j'avais lu, c'était 44,2%. Donc, ces entreprises-là ont besoin d'énormément de ressources, que ce soit Boeing, que ce soit des entreprises d'armement, que ce soit Walmart, Amazon et compagnie. Ils ont besoin d'énormément de ressources. Le mode de vie, la population, donc ils veulent s'assurer la plus grosse part du gâteau. Ils veulent s'assurer donc un accès aux ressources, d'où l'intérêt du déploiement de l'armée américaine dans le monde. Et les élections américaines seront ni plus ni moins conditionnées par ça, tant que les Américains ne changent pas. Et je ne comprends même pas que personne ça ne l'a encore compris. Et je le dis bien modestement, c'est de la géographie de base, quoi, je veux dire. Après, moi, j'essaie d'apporter modestement ma pierre à l'édifice, hein. C'est une lecture, c'est une analyse, c'est une grille, c'est ma grille de lecture, mais voilà. Pour ma conclusion, ça serait ça, de toute façon.
D'accord. David. Ouais. Pardon? David est là? D'accord. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Alors, de toute façon, on a dépassé d'un quart d'heure, donc je pense que ça fait près Aucun de. souci, hein. Ça fait pas tout à fait 2 heures, mais presque 2 heures. Donc, merci à vous, David Teicher. C'était très intéressant. On a un Ben peu non, été. moi c'est moi qui vous remercie plutôt, hein. Mais j'espère qu'on aura apporté quelque chose à, j'imagine que oui, à nos téléspectateurs. Merci à tous. Je ne sais pas combien il y a de téléspectateurs ce soir. Est-ce qu'on peut le savoir? Très bien. Merci aux nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le site du Cercle, cerclearistote.fr, et sur tous les réseaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et sur Twitch, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Thank you.